quand elle enlace ses bas. Je ne suis plus à Vandruna, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ses gars. Je ne ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Tu ne m'appartiens pas. Tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé. Et quand tu ne sais plus quoi dire, tu te mets à pleurer. Mais ça, ton public le voit pas. Tu l'incites à rêver pendant que toi, tu le regardes. Francis, les mots restent bien coincés devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer, mais toi, c'est pas... Oh, que voici à loin? Ce sont des gens. Il faut les abattre. Ils nous attaquent. Mais non, monseigneur. Ce sont des simples moulins à vent. Sancho, pousse ta parole. Voilà, tiens, fais ça. Je vous l'avais bien dit, monseigneur. Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?